Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de ma campagne avec Tyrion et aux elfes dans cette campagne gigantesque qui nous attend. Comment ça s'appelle déjà? Monde cruel, je sais plus quoi. Enfin bon, voilà, c'est la campagne globale. Regardez-moi comment c'est beau cet arc-en-ciel que nous avons ici. Ah, qui a disparu, si le voilà. Magnifique. Alors, on en est où? Eh bien écoutez, on est en train de faire le siège de la dernière ville de Tor Ivresse. Par contre, il me faudrait des tours. Alors, j'ai Tor Ivresse à terminer et derrière, j'ai ici Kotick à détruire. Sachant que Kotick, pour l'instant, ils n'ont pas d'armée puisque j'en ai chopé une récemment, il me semble. Alors, j'ai autre chose qui est important, c'est que je dois, avant 6 tours, déclarer la guerre à cette faction. Alors, le problème, c'est que je suis parti pour aller de l'autre côté, donc peut-être que quand il restera que quelques tours, je créerai une armée. Alors, ouais, c'est ça, on a des généraux qui sont très mauvais, mais qui ne coûtent pas d'influence. Et par contre, on a aussi accès à des bons généraux qui coûtent, vous voyez, 30 d'influence. Donc celui-là pour les lions blancs, mais je peux pas en recruter. Dégâts des tirs plus 10% pour les archers. Il m'intéresse celui-là à 15 là. Hein. Ça c'est très bien si je faisais des balistes. Pour l'instant, j'en ai pas. Ouais, celui-là aussi, il est super bien. Hein. On pourrait faire des économies là. Ok, ok. Bon, enfin, je vais pas le faire tout de suite parce que y a pas de raison pour ça en fait. Alors, ici, j'ai rien à faire pour le moment. Là, ça dégringole, mais bon, en prenant Tor Ivresse, ça devrait aller. Alors, ils ont des terrains qui m'intéressent. Hein. Bon, enfin, dans tous les cas, j'ai dit qu'il fallait que j'attende quelques tours, donc on va passer celui-là pour commencer. Alors, si jamais une autre armée arrive du nord, il faudra qu'on soit prêt à faire le taf. Il commence à y avoir énormément de factions. Oh là là. Ah, les vargues. Est-ce qu'un jour je serai obligé de les tuer? Ça, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc. Ça dégringole toujours, mais je pense qu'on sera capable de redresser ça. Alors, voilà, là on y est. Donc l'ordre public est stabilisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Donc on a vu que les chevaux, il y avait déjà le bâtiment là-bas. Alors ça c'est quoi? On augmenterait nos revenus, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors ça vaut 5100. Il y a la croissance qui m'intéresse et il y a deux bâtiments nouveaux. Alors j'avais dit que j'irais chercher ça. On va le faire. Je pense que dans le même temps je vais faire ça. Et je pense que je vais sans doute m'arrêter là pour ce tour. Ok, 12 000. Je vais avoir besoin d'un peu de fond parce que je vais peut-être être dans le rouge avec... avec l'armée, je vais constituer. En plus, je vais avoir besoin d'argent pour ces deux territoires. Ça vaut combien? 2125. On se tape un sacré orage ici. Hein. Alors, je vais peut-être prendre ça quand même. Allez, on essaie d'être raisonnable. On va bien surveiller cette armée là.
savoir si elle bouge. J'ai pas l'impression qu'elle recrute, donc elle est pas complète, je crois bien. Alors, c'est accéléré, mais ça va encore assez lentement. Faudra que je vois si je peux faire quelque chose pour améliorer ça. Sinon, il faudra que je vous lise un bouquin. Alors, ok. Ça m'intéresse pas. Ça, par contre. On va faire ça. Ok, donc ici y a rien qui arrive du nord. Can I offer assistance? Our great king welcomes you. Defender of the Phoenix. What requests would you make of the? Donc ils ont toujours pas de guerre, donc ça c'est très bien. Eux ils sont en train de fabriquer une armée. I serve the king. Avalorn. Pacte de non-agression, non toujours pas. I'm listening. Ah. Et ça j'aimerais bien aussi. Mais non, rien à faire. Ok, Tyrannox ça va pas fort non plus. Ok, donc on a un peu d'argent. Voilà. On va augmenter ça, je crois que j'ai pas trop le choix. Attendez, que je vérifie quand même. Ça. Ok. Et donc ici on était à plus 3, là ça ferait... On va le faire quand même. Alors ici on peut améliorer les choses. 2347, je crois qu'il faut quand même qu'on le fasse. Surtout ici. Puisque ça améliorera la garnison. Et donc ici, tour de Lissan, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors rien de spécifique, on pourrait soit faire de la croissance, soit commencer à mettre ce qu'il faut pour avoir des murs. Ou alors on améliore encore ça. J'hésite. De toute façon si on fait ça, après on n'aura plus qu'une place pour ça. 1500 750. Non, on va laisser ça comme ça. Alors je voudrais comprendre pourquoi. Ouais, c'est les événements. Combien de temps ça dure ça? Encore 2 tours. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a ce problème là d'ordre public. Et là c'est pareil, c'est aussi pour cette raison là que ça dégringole. Donc on en est où? Je ne sais plus. J'avais dit qu'il me fallait quelques tours. Ça c'est quoi? Ouais, je pense qu'on va attendre au prochain tour on attaque. On le fera sans bélier mais c'est pas grave ça. Ici je voulais regarder. Ouais, l'armée est pas complète. 4 tours. Je pense que là à ce stade là on va recruter le gars. Pardon, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Il est bien aussi celui-là. Hein. Ah oui, d'accord. Comme j'ai dépassé les 60, il me propose aussi cela maintenant. Ok. 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 Alors les chars et les balistes, mais j'ai pas ça moi. Alors ça, c'est très bien. Hein. C'est lui que j'avais tout à l'heure ? J'ai un doute. Ouais bah ça devait être celui-là. Hein. Ouais, on va le recruter. Et là on va commencer à prendre des archers. Donc c'est combien pièces? C'est 126, donc on peut quand même recruter ce qu'il faut. Donc on aura comme ça quelques tours pour se préparer. Ok.
Donc on va lancer le siège à ce tour-là, je pense. J'espère que la ville est assez bien agencée pour me faciliter les choses lors de l'attaque. Ok, donc... Guardian of the Phoenix Crown. Alors, on n'oublie pas d'ailleurs que pour le chapitre d'après, il nous faudrait 45 unités. Je suis pas sûr qu'on arrive à 45, ça veut dire 3 armées, 2 complètes et 1 à 5. Je vais pas dépenser l'argent pour l'instant. La guerre peut entraîner des pertes et donc ça c'est un peu... ce serait un peu dangereux. Alors... Y a rien qui arrive du... Non, y a rien qui arrive du nord. Écoutez, on va y aller directement. Donc sa cavalerie, bah, il pourra pas l'utiliser vraiment tout de suite. Donc ça c'est bon parce que toute cette cavalerie là, normalement elle sera à l'intérieur des murs. Alors ceux-là pourront me tirer dessus. Mais en fait j'aurai que ces unités là à traiter sur les remparts. Alors attention, j'ai des unités qui sont parmises encore. Allez, c'est parti. Tiens, on va quand même regarder un peu la carte. Ouais, à voir, peut-être attaquer ici, se mettre dans la forêt. Bon, enfin dans tous les cas, c'est parti. Premier siège avec les hauts elfes. Donc c'est sûr que les tours vont me faire beaucoup de dégâts. Hein, mais on va essayer de se hâter de traiter ça. Je crois que ma cavalerie va pas du tout participer pour l'instant, puisque je vais pas ouvrir les portes. Mes champions vont monter sur les remparts, mes troupes vont monter sur les remparts. D'abord les lanciers, les archers resteront en bas pour allumer. Et puis une fois qu'on sera prêt à descendre, et ben mes fantassins descendront et mes archers monteront sur les remparts. S'il leur reste des flèches. Ok, donc il y a deux portes, mais je dis que je les prenais pas. Je pense que je vais attaquer de ce côté-là, parce qu'il y a que deux tours à flèche ici. Alors, vous, comme je l'ai dit, je vais vous mettre loin. Donc genre ici. Ensuite, alors, vous allez venir là, vous. Pour l'instant, je vais vous mettre ici, vous. Ensuite... Alors, je sais pas si je peux en mettre deux des tours ici. Ok, donc ça, c'est fait. On aura ça. On aura nos deux amis qui fronceront là-bas. Bon, bah, ça va le faire, ça, hein, je pense. Alors, je prends un risque un peu avec mes lions blancs. Ok. Alors en face ils ont quoi? Ils ont 1142 mais ils ont beaucoup de fantassins. Allez, donc c'est parti. Je peux en mettre qu'une, hélas. Ok, on va faire ça. Oh là là, c'est pas bon ça. Parce que celle-là va se faire allumer par les autres... Enfin, c'est pas grave, on va faire ça quand même. Ici, vous allez venir ici. Vous allez venir avec les lions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, tout ça, ça a dû... Bon, vous allez venir ici, vite fait. Et je pense que... Bah, c'est tout. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Ouais, cette tour-là, elle va prendre cher, je pense. Non, c'est pas ça que je voulais. Ce que je veux, c'est que vous preniez cette échelle. Vous ici. Et vous là. Ok, mes archers, vous y êtes presque. Une
Une fois que c'est fait, vous allez vous positionner et allumer tout ça. Ah, c'est parti. Pourquoi vous allez là? Vous pouvez pas monter? Ah, ça cause des tours, mon dieu. Ok, mes archers, vous allez attaquer ça. Alors là, je vais t'en... Du coup, en infériorité numérique pendant un temps. Hein. Tu vas aider tout de suite là-bas. Toi aussi. J'ai besoin que tu aides par là-bas. Allez, allez. Il n'est pas monté encore ? Monte-toi, bon sang. Ah, voilà. On va peut-être sauver les lions. Si on arrive... Alors c'est un spécialiste de mêlée, hein. Ok, je crois qu'il arrive. On va plutôt tirer là. Il y aura des tirs amis, mais tant pis. Il va descendre. Et ouais, donc c'est pas bon. Je vais pas descendre tout de suite, moi. Ce que je veux. Alors, par contre, on va peut-être mettre mes archers tout de suite par là. S'ils veulent bien. Ok. Ah là là, heureusement que je t'ai dit de remonter, toi. Allez, remonte, remonte. Bon. On va y aller, du coup. Tant pis. On va tirer là-dessus. Est-ce que j'ai... du monde qui pourrait aider. Ah, je voulais absolument pas ça, mais tant pis, tant pis, tant pis. Allez, tire-le. Kingslayers, orders received.
Je vais le perdre, je sens que je vais le perdre. Bon, il faut absolument que j'envoie du monde. Alors, mes archers, vous allez me faire un carnage là-dedans. Tant pis, on va envoyer les lions parce que sinon lui va mourir. Et d'ailleurs il va peut-être mourir quoi qu'il arrive en fait. J'ai l'impression que le Pathfinding n'est pas bon là. Pas ce que vous foutez ici. Allez, on va essayer de sauver tout le monde. Et j'ai bien peur que mon champion s'en sorte pas. Tue-le, lui. Bon, on va voir ça. On en est où? Ouais, y a le champion qui peut être en danger. J'espère qu'il va se remettre. Donc évidemment, j'ai joué à 18 puisque j'ai pas utilisé ma cavalerie. 256 pertes. Hein. Donc les archers ont fait le boulot, les lanciers ont fait le boulot. Ok. Mes deux champions ont fait le boulot aussi hein, d'ailleurs. Mine de rien, en termes d'expérience, ça monte là, hein, au niveau des archers. Hein. Allez, prions pour que mon champion soit vivant. Du coup, il va falloir qu'il se remette. Hein. For my queen. Donc, victoire décisive, donc l'argent est la bienvenue. Et le bienvenu, pardon. My strength grows. Ok, j'ai rien perdu. Ok. Ça, c'est détruit. Alors, du coup, ça, c'est... qu'est-ce que je fais? La logique voudrait que je détruise ça, mais bon, pour l'instant, je suis pas tellement chaud. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le plus de pop. Donc, on va prendre plutôt ça, je pense. Ok, on va prendre ça. Donc ici on est bien. Là on est déjà en train de recruter. Donc lui il fera combien de temps là? 3 tours.
Ok, alors déjà on va faire les montées de niveau. Donc, on avait dit attaque éclair. Ça, je le veux pour éviter les problèmes qu'on peut avoir quand on est surpris par plusieurs armées. Donc ici, on va prendre ça aussi. Ça aidera à la reconstitution d'ailleurs. Ok. Donc là, vous allez rester un petit moment ici. Donc évidemment, le revenu par tour diminue grandement. Alors, on va voir tout de suite si ça a changé quelque chose avec nos alliés ou nos presque alliés. Non, c'est pas bon. Ça se détériore, donc aucune chance. Donc, Kotick, ils ont, je pense, une demi-armée, donc il y a quand même pas le feu. Alors, par contre, le point qui m'ennuie le plus, c'est ça. C'est qu'il va falloir que je déclenche la guerre. Enfin bon, si je veux le plus 16 en commandement, c'est pas non plus énorme, hein, le plus 16 en commandement. Par contre, 500 de trésorerie, c'est toujours, c'est pas négligeable. Et en plus, ça ferait une suite de quêtes, peut-être, avec un peu de chance. Donc... j'ai quand même le temps puisqu'il me faut 6 villes. Donc, j'ai que 24. J'ai fait que 2 batailles. Rendis, c'est certainement ce qui va m'arriver le plus vite. Et une chaîne de quêtes, bah, écoutez, on verra. Je vais passer un tour. Alors, ici on a quoi? Alors, je vais peut-être faire ça, ça dure 10 tours. Ça coûte 2000. Non, on va pas le faire. On va pas le faire tout de suite. Ok, allez, je vais passer un tour. Alors, j'ai pas regardé où on était au niveau de la pop, d'ailleurs, dans ma deuxième province. Pour l'instant. Alors j'ai aussi des trésors à récupérer hein, qui sont un peu autour, mais pour l'instant je suis assez pressé. Donc je pense qu'il va falloir quand même que je monte au nord pour en terminer avec Kotick. Que je déclenche la guerre et que je me mette en défense en fait au niveau d'Angerial. Je pense 829 c'est effectivement moins sympa déjà. Alors ok, alors je vais peut-être attendre. Non, je vais rien faire ici pour l'instant. Je dois garder mes sous. Par contre, il faudrait que je continue à recruter. Alors, c'est tentant, évidemment, mais c'est 187. Alors, on va en prendre une. Non, c'est trop, c'est trop. Non. On se rappelle que notre... avec ce général-là, hein, que je vérifie... Moins 10 pour les archers, les lanciers et les gardes maritimes. Donc, non, non. On va continuer à faire des lanciers, des archers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va faire ça. Donc ici, il lui reste combien de tours? Dans 2 tours. Alors je vais peut-être avancer en faisant ça, je pense. Alors évidemment la présence militaire aide beaucoup, ça veut dire que je... ok, je pense que j'ai pas trop le choix, ça il faut que je le détruise. Alors j'ai pas vu combien ça me donnait mais ça doit me donner des sous. Ça au contraire je vais le créer. Et dans les deux cas je vais faire le bâtiment pour la pop. Sinon je vais me taper en plus une révolte et ça m'intéresse moyennement. Donc vous, vous allez venir par là.
Alariel guides me. Alors, je vois pas d'armée, mais on a dit que... I'm waiting. Kotick avait une demi-armée, donc... Alors, on va... Si je fais un... Ici... Ah, c'est pas bon. Onward. Donc, ok. Faut que je reste chez moi. Bon, là, on est bon. La quête, c'est dans deux tours. Where to? You must restore order. Je pense qu'on va déclencher la guerre tout de suite. Je vais pas prendre de risques. Non, il reste un tour. Bon. Allez, on passe le tour encore. Ici. À ce tour-là, je lance la quête pour gagner les 500. Les crocs rouges. Quand je vois tous ces noms et toutes les factions qui existent sur la carte. Ok, on voit l'armée de Kotick là. Ok, donc c'est ça que je regardais en premier. Donc ici, on va pouvoir fabriquer ça pour l'ordre public. Ok, 11. Et là, aïe. Ça fait beaucoup. Alors, on va peut-être rester un tour de plus ici. On va attendre de voir ce qui se passe. Bon, j'ai pas le choix à ce stade-là, il faut que je déclenche la guerre. Donc, c'est bien contre Saferi. Donc, Saferi, ils sont là. Diplomatic protocol states that I must give you a hearing. Donc, on va déclarer la guerre. Alors, ça, c'est intéressant. Defender of the Phoenix Throne. Eh oui, c'est très intéressant. Donc, effectivement, on était en alliance militaire, mais on n'avait pas d'ennemis communs. Comme ils ont rejoint la guerre en même temps que moi, eh ben, c'est bon, on est en phase. Guardian of the Phoenix Crown. D'ailleurs, écoutez, je pense qu'on va faire ça. Pour l'instant, il le refuse. On espère bien que ce sera possible. Donc du coup, ça change rien ici. You called? Behold the Phoenix Court in all its splendor. I cannot do this. Non, ils veulent pas. Your request? You address the Assur of Althuan. Never. Ok, ok, ok. Bien, donc ça c'est parfait. Alors sauf qu'ils sont de l'autre côté, hein, si je ne m'abuse. C'est quoi ça? Non, c'est bien eux, Eliarlion. Donc on va voir si ils partent avec moi. Alors, seigneur d'on déplacé, ça c'est vrai. Donc en guérial, je pourrais faire ça quand même. Alors sachant que j'ai pas beaucoup de revenus. Je recrute pas, là on est d'accord. Je pense que je vais m'arrêter là de toute façon. Ridiculous. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.